Pour un bon mot. D'abord, nous le remercions pour son accueil, hein, et malgré sa vie trépidante. C'est par rapport au deuil de M. Verkis Kiamongal. Donc, je suis venu avec son fils, Vévé, Jean-Yves et Barbara Kanam, comme artistes. Donc, nous sommes venus lui exposer les problèmes que nous avons actuellement. Donc, ça fait déjà 3 semaines que le corps de Verkis est la mort. Ça en fait un peu trop pour une telle personnalité. Voilà, qu'il puisse activer les dossiers par rapport au gouvernement, hein, qu'il puisse nous aider, c'est qu'on puisse trouver une solution rapidement pour régler ses deuils. Deuxièmement, nous sommes venus lui demander l'esplanade du Palais du Peuple. Voilà, il nous a fait des suggestions, vraiment, mais il a accepté pour que le corps sorte le 19 donc de ce mois et que Papa Verkis puisse être enterré le 20. Il a tout accepté et puis après, on a commencé à parler du Congo. Hein, moi, je dirais que c'est aussi un historien, ce pays. Voilà, on était présents dans toutes les régions. Pour moi, c'était une fête, j'allais dire, dialectique. Donc, on parlait, en plus, je connais aussi presque beaucoup de langues. Donc, c'était un moment culturel. Et voilà, il nous a promis qu'il fera quelque chose dans peu de jours. Tous les artistes sont confiants par rapport à la responsabilité qu'ils m'ont octroyée. Ils savent que ce que j'ai l'air de dire, ce serait la vérité. Mais par souci de transparence, j'ai voulu que la famille soit là et aussi une artiste pour m'accompagner, c'est-à-dire pour la transparence. Sinon, je pouvais venir seul. Il faut qu'il y ait la famille, qu'il y ait aussi la famille musicale. Donc, ils nous font confiance.